Mamadou? Oui. Ça va bien? Oui. Est-ce que tu peux nous décrire l'île aux Neufs, l'endroit où tu habites? Alors, les murs, ils sont faits en briques et en béton. Il y a des portes rouges, des portes blanches, des jardins, pas comme les autres, des petites fenêtres, des grandes fenêtres. Les terrasses, ils ont une forme de carré triangle, des fois. Il y en a qui sont grandes. Il y en a qui sont moyennes et il y en a qui sont petites. C'est comme un labyrinthe, des fois tu peux te perdre partout. Où est-ce que vous vous retrouvez le plus souvent? On se retrouve au rond des fois, au double rond, des fois au carré, des fois derrière le carré. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on a fait ensemble cet été dans l'île aux Neufs? Alors, au début, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait une journée avec Kibé. Là, c'est sûr qu'on avait présenté la cité. C'est quoi votre relation à tous les deux? On est potes, des fois on s'est battus, mais on refait la paix, on joue ensemble. Quand il est tout seul, je viens avec lui, on fait du foot, on fait des goal à goal. Des fois, si on s'ennuie, des fois on grimpe, on fait plein de choses. Lorraine! Oui? Moi, je me rappelle quand Mamadou, on a joué aux toupies. Ah oui, les toupies. Et mon meilleur moment, c'était quand on a chanté, on a crié. Et toi, Diaba? Moi, le pire que j'ai pas aimé, c'est rien. Et ce que j'ai aimé, c'est quand on a fait la chasse à l'homme. Quelle chasse à l'homme? Je rappelle pas la chasse à l'homme qu'on avait faite. Ah oui, avec Yacine, Fatim, moi, Yves, Abdoulaye et Fatoum. C'est Fatim Zahra. Je les ai tous trouvés. Et je me rappelle quand je faisais comme si j'étais un caméraman avec mon truc là. Mon fils, il croyait, regardez la lune. Quand j'ai vu la fusée. Ce que j'ai pas aimé, c'est quand Mamadou, il a cassé le micro alors que je l'ai dit que. Il arrête de bouger avec, il a continué. Et ça faisait quoi d'être filmé? C'était bien. Sûrement, ça faisait une pression. Comme si on allait passer à la télé. Et après, on est parti à Paris pour regarder notre film. C'était comment de se voir à l'écran? Je me suis sentie comme une actrice de télévision. J'ai cru que c'était pas moi. Et après, je me suis dit, ah ben c'est moi qui ai fait tout ça. Après, j'ai cru que c'était fait. Et après, toutes les paroles que j'ai dites, je ne sais même pas pourquoi je les ai dites. Et c'est tout. C'est tout.